ça fait qu'on est on est content parce que personnellement en tout cas je savoure d'être présent ici, d'être au village olympique, de partager avec les autres athlètes, de participer à mes 4e Jeux olympiques tout simplement et c'est à chaque fois un grand plaisir, une grande fierté d'être là. On est là, on en retrouve certains, on en découvre d'autres. Que ce soit les athlètes, que ce soit les kinés, voilà, il y a des kinés aussi qui sont là depuis longtemps, qu'on recroise, des DTN, bon voilà, c'est la petite famille olympique on va dire. Et puis hier par exemple au réfectoire on était 36 milliards avec peu de place pour tout le monde, mais voilà, ça y est, tout le monde est plus ou moins arrivé, j'ai l'impression, et la pression va commencer à monter. Ouais. L'esprit bleu, c'est on va dire, c'est dans un. On va dire au niveau du noyau, c'est les athlètes, c'est les entraîneurs, les dirigeants, tous ceux qui sont présents ici. Et puis après, il y a tous ceux qui sont soit en France ou soit autour, que ce soit les journalistes, les autres éducateurs ou la famille, voilà, et les supporters. Voilà, c'est ça l'esprit bleu, c'est on va dire qu'on est les représentants du sport français. Et des Français en général ici, et ça aussi c'est une fierté. J'ai l'impression que c'est de plus en plus grand, et c'est ça a l'air sympa, ça doit être plus joli quand il fait beau, mais ça a l'air sympa, et c'est un moment convivial, un moment utile je pense pour les athlètes et pour les supporters, et voilà, à chaque fois c'est un plaisir aussi de venir ici parce que ça annonce aussi le début de la compète ou un autre moment de compète. Je crois qu'on doit revenir avant les quarts de finale ici ou avant les demi-finales. Donc on espère qu'on reviendra ici avec soit un quart de finale à présenter ou soit une médaille, j'espère, la plus belle autour du cou. On l'a fait à Pékin, on l'a fait surtout à Londres où c'était énormément de monde. En plus c'était la. Notre finale est à chaque fois la fin et au dernier jour des Jeux Olympiques, donc on espère et on va tout faire pour. Merci beaucoup.